Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle découverte, on va tester ensemble Fallen Aces. Alors c'est un FPS rétro qui se passe dans les années 90, c'est assez sombre, c'est à base de barres, de voyous, etc. Et nous, on va essayer d'incarner un type qui est le dernier gardien, entre guillemets, de la ville. Tous les autres sont tombés et lui va essayer de faire régner l'ordre avec ses petits points. Allez, c'est parti, on teste ça ensemble. Alors le scénario qu'on va voir aujourd'hui, c'est donc ce gars-là, en gros, qui va essayer de sauver une nana qui a été capturée par un parrain de la, enfin, de la locale, on va dire. Et pour l'instant, on démarre dans les rues à côté du bar en question. Elle était en sous couverture en tant que chanteuse. Et nous, bah, on va devoir avancer jusqu'au bar, défoncer pas mal de types et ensuite infiltrer le bar en question, quoi. Alors, on va prendre le petit papier ici et on va le balancer. Hop, 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 ça a marché pas du tout. Ouais, t'as entendu quelque chose, effectivement, mon pote. Tiens, sinon, on va le lancer là-bas, voilà. Ah, bah j'ai pas réussi à y aller fictif. C'est pas grave. On aura largement le temps d'en faire après de la furtivité. Je me suis soigné pour rien aussi, bon. C'est pas grave, on s'en fout. On va pas être à court de vie, vous inquiétez pas pour l'instant. Alors, hop, on va se mettre accroupi. Et ça... ça va nous permettre d'en buter un paquet comme ça, je vous avoue. J'aime bien cette astuce. Hop là, bon, on s'est un peu fait mal au genou, mais ça va, notre gars est un peu solide. Alors, on va garder un petit peu les outils sur nous. Alors, on peut pas casser les caisses, hein. Il y a des trucs qu'on peut casser, mais ça, on peut pas. Youp. Alors, bon, là, c'est vraiment la partie tutoriel, je vais essayer d'aller très vite. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Mettre des coups de poing partout, ça marche toujours. Alors, c'est pas très subtil, sauf dans les phases d'infiltration. Et là, on va prendre le tonneau, et le prochain gars qu'on va voir, vous allez voir, à mon avis, on va lui faire un peu mal. Alors, alors normalement, il y a un mec juste là au-dessus, mais on est dans le noir, donc il nous voit pas. Et là, on va déjà tout simplement, juste pour s'amuser, boum. Alors normalement, il est pas... il est pas assommé. Bon, là, ça y est, je pense qu'il l'est. Je vais quand même récupérer les petites bouteilles qui sont là. Voilà, c'est assez pratique pour se battre, vous allez voir. Youp là. Alors, il y a des prochains gars. Donc là, il me voit, c'est sûr. Et j'aurais bien aimé... bon, on y va comme ça. Hop là. Tiens, mon pote. Voilà. Et ben voilà. Alors ça, on va le jeter, puisqu'on en a pas besoin. Et on va prendre... mince. On va la prendre avec nous, ça nous aidera plus tard. Tac, alors est-ce que c'est par là? Je m'en rappelle. Alors, du coup, on va en choper un. Comme ça, il a rien vu. C'est génial. Vous êtes nuls. Bon, et du coup, on va arriver assez vite au bar. Le bar est bien gardé, je vous préviens à l'avance. Il y a du monde. À l'extérieur comme à l'intérieur. Et à l'intérieur encore plus. Alors, hop. Ah, j'ai raté mon saut. Le parcours et moi, une longue histoire d'amour. Tac. Alors. Est-ce que je peux le shooter sur lui? Oui, je peux. Ils ont rien compris. Je sais pas si ça lui fait du dégât par contre. Bon, il est temps d'y aller, vous en pensez quoi? Oh, si vous vous dispersez, c'est bien. Alors, il me disait que si je me barrais, il essaierait peut-être d'y aller tranquille. Ouh ah. Bon, on lui a mis un coup bien placé, je sais pas si vous avez vu. Et son copain, par contre, lui, vient de... oh. Alors, attends, toi, on va juste... voilà, prendre ça et... bah alors... bon, et vous voyez, tous les éléments qu'on peut récupérer, ils ont tous une barre d'endurance, en gros, quoi. Hop là. Donc on peut pas les utiliser à l'infini. Alors, là on va approcher bientôt du bar. Il y a deux grandes pièces, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Hop là. Est-ce que ça marche comme ça? On va reprendre ça et on va... ouh, il m'a mis un coup. Ah, il y avait une clé, ça tombe bien. Ils arrivent de partout. Ouf, j'ai voulu faire le malin. Alors je pourrais éventuellement glitcher un peu, sauter au-dessus des obstacles pour les perturber un peu. Hop là. Bon là on a plus que nos petits points. Hop, d'ailleurs on va manger. Oh, il y a une barre à mine ici. On la veut.
Alors lui, il a réussi à nous avoir. Ils sont bons, c'est bon. Ok. Alors là, il y a un petit combat qui se prépare, donc je vais prendre tout ce que je peux et surtout, je vais manger. Parce que la nourriture, bah, ça soigne la vie, quoi, forcément. Hop là, voilà, le bar est juste là, mince. Et il y a un peu de type devant, mais rien d'ingérable. Bon, d'ailleurs, comment on va faire ça? Oh, il y a un gars là. Alors, il nous dit qu'il y a toujours une entrée. Moi, j'en avais trouvé une ici, mais on peut la prendre que de l'autre côté. Alors, j'ai pas compris comment y aller. Du coup, bah, on va y aller à la brutale. Ok. On va se débarrasser de toi. Alors, attention, il y en a un qui est armé d'un bâton. Alors, c'est très nerveux, donc du coup, on peut éviter pas mal de trucs. Et eux aussi, d'ailleurs. Alors là, j'ai plus rien. On va passer avec la bouteille. Tiens, mon pote. Ah, on va te finir. Hop là. Sachant que vous avez une petite frame pendant le... Enfin, un petit temps pendant lequel vous êtes quasiment invincible quand vous faites ça. Oh là là. Bah, mon gars. Tiens, oh. Ah, bah alors toi, mon pote. Voilà. La clé. Bon, par contre, on a un peu moins de vie que ce que j'espérais quand on peut entrer. Et alors, peut-être qu'il y avait ici... Oh, mais c'est là l'entrée secrète. Non? Oui, ben c'est là. Bon, ben, on va rentrer par là. Dans ma partie test, je suis rentré en faisant un peu de fracas. Oh, oh. Coucou. Ouais, tu deviens un peu taré, mon gars. Oh, oh, alors... Du coup, c'est marrant, je connais pas cette pièce. Hop, 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 voilà, va par ici. Non ! Bon, au moins, on a eu le temps de lui faire un peu mal. Ah, et on a obtenu la clé pour aller directement à son office. Bon, alors, non, non, on va pas faire ça. On va un peu se balader, histoire de vous montrer. Tiens, mon pote. Ah, alors, il y a des trucs que j'ai pas essayé. Ça, qu'est-ce que ça donne ? Alors, ça, oui. Il y a des cartes, je sais pas trop à quoi elles servent. Et là, vous voyez, tous ces mecs-là, moi, je les ai affrontés là-bas, dans une pièce à l'entrée. Bon, on va essayer de se balader un peu. Et de les éliminer discretos. Hop là. Hop, 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 hop. Ils nous voient pas. Mince. Dans les balls. Bah écoute, mon pote, t'es pas prêt de nous avoir. Ah, ça doit faire mal. Bon, heureusement, notre mec se débrouille ultra bien. On va manger. Ah, on en avait pas besoin. Alors, il y a des armes aussi. Hein. Pour l'instant, on en a pas, mais on en aura une tout à l'heure. Ah bah non. Ils sont à chaque fois à l'endroit où je veux pas. Salut. Non, non, la porte s'est fermée toute seule. Vous inquiétez pas. Oh, mais j'ai pas été là non plus. Ah, ça c'est génial. Alors, je vais vous montrer un truc. C'est ça. Alors ça, par contre, on va pas me dire que c'est pas un passage secret, je pense, quand même. Hein. Bon. Pas... Vous entendez? Il y a quelqu'un derrière. Mais nous, on va juste récupérer ça. Ça va nous permettre de faire un peu le ménage. Quand je dis un peu... Non, pas tout de suite. Vas-y, passe, mon copain. T'es pas passé? Oh! Oh. Oh non, attends. Alors attends, attends, on va essayer de vous regrouper. Ah, j'ai tout raté. Youp. Qu'est-ce qu'ils font? Hop là, on va aller ici parce que je sais que il y en a une autre. Venez les cocos, ouais. Voilà. On va se prendre un petit coca, ça fait toujours du bien. Bah toi tu viens un peu pour rien là. Salut mon pote. Tiens. Who's this guy? Bah ton cauchemar mon pote. Oh. Bah écoutez, ça se passe plutôt pas mal.
Alors là, quand vous faites ça, ouais. Regardez, je vous montre, c'est un gros piège. Mais on s'en fout. Ah, ton nez, je pense qu'il est cassé, ouais. Hop là. Je commence à les rater. Hop là. Et tiens, mon copain. Ah, j'avais pas vu ce genre de détails. Alors, ça, on va juste le récupérer. Et on va prendre notre deuxième baramine. Tac, alors là, il n'y a rien. Et maintenant qu'on a fait un peu le ménage, on va aller directement à l'objectif. Alors, il y a plein de petites scènes cachées, hein, par exemple. Ah, bah, attendez. On va quand même pas se gêner pour lui. Bim ! Voilà. Là, il n'y a rien. Le conteneur, j'ai pas trop compris son utilité, pour tout vous dire. Je pense que c'est juste un truc. Ah, alors, franchement, t'aurais pu tomber au moins pour être sympa, quoi. On peut leur jeter des poubelles, il y a plein de trucs qui sortent et tout, quoi. Et alors, regardez bien, là, il y a un bruit. Bon, il y a un type dans les toilettes, hein, bien évidemment. Il nous regarde, et bon, on peut rien faire. Et là, ça amène à la pièce d'à côté. Hop. On va aller par là. Youhou. Ah non, on veut pas aller dehors. Oui, alors ça, c'était le petit passage que je vous ai expliqué, quoi. Ah, mais c'est ça qui brille. Bon, ça, c'est le journal de la nana. C'était expliqué dans la vidéo d'intro, enfin, dans l'introduction. Hop, qui était style BD, d'ailleurs. Et nous, on va aller directement. Locked. Oh, bah, on va pas aller directement. Il nous manque quelque chose. Ah, bah là, peut-être, par exemple. Et bah voilà, on va passer par ici. Tac. Bim. Alors attends, on va acheter celle-là et en on va acheter celle-là et en prendre une dans meilleur état parce que hey, on veut la clé. Voilà, donc ça c'est Malone, c'est le boss. Wow. Alors dans le noir, je suis caché normalement, ça se passe bien. T'es reparti? Oh, vas-y, passe mon pote, on va s'occuper de toi direct. Bim! Ça fait très cartoon, je trouve, quand même. Alors, ça, c'est pour redescendre, donc c'est là d'où on vient. Et nous, on cherche pas à redescendre, on cherche à libérer la nana. Bon, pour une fois, c'est pas notre copine. Oh, salut. Ah non! Ah, ça s'est joué à rien. T'aurais pu moins souffrir, quoi. Et ça, c'est pour repartir aussi, mais on s'en fout. Ce qu'on veut. Ah, alors la vie, j'aurais pu la prendre. Bon, c'est pas très important. Alors, par contre, le baril, ça fait toujours bien marrer. Ça l'a assommé? Oui, c'est bon. Hop là. Ici, je vais juste ouvrir ça au cas où, et là, vous allez voir, il y a le fameux boss. Alors, il est juste là. On va aller discrètement. Hop là. Il est en train de les sermonner, personne. Personne ne voit. You two dolts, get out of my sight and keep your eyes peeled. I got a feeling the skirt. Il est en train de les virer. Peut-être que on va attendre juste qu'ils se barrent. Ah là, cassez-vous. Alors la dernière fois, moi, j'étais juste là en train d'attendre, j'écoutais le dialogue et d'un seul coup, ils sont arrivés. Peut-être aller se débarrasser de lui tranquillement. Ouais, je vais me faire gauler, mais bon, c'est pas grave. De toute façon. Et. Détends-toi. Ouais, ton visage. Alors, hop, ça nous va. Et ben, on va manger un petit coup et on va prendre celle-là. Normalement, il reste plus que le boss. Il m'a pas vu, c'est génial. Bon, on va quand même l'affronter à la loyale. Coucou. Et t'as pas le temps. Et ouais, t'as pas le temps. Et bim. Alors. Autant vous dire que on va se mettre en mode corps à corps. Et les prochains, on a des balles. Oh, salut.
Ouais, bah oui, mais non. Vous avez vu, on a un nombre de balles quand même assez limité, quoi. Alors, juste un truc, mais je crois que... Toi, t'es un vide. Non, mon arme. Non. Non. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on est à la fin. La nana est cachée ici. On va aller tranquillement se débarrasser de lui. Ah, il a pas entendu. Bah voilà. Ah, sérum de vérité. Tiens, ma grande. Et voilà. Du coup, bah là, c'est la fin de la mission, donc on va pouvoir discuter avec elle et elle va nous apprendre la suite de l'aventure. Enfin, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes.